Bonjour à tous de Fred, 5 Cousetta. Et voilà, nous sommes le 30 août aujourd'hui et on part une nouvelle fois à la chasse à la radiosonde météo du vol de ce midi. Donc là je pars chercher mon ami Robert, F6EZ. Je vais le récupérer à son QRA et puis on va se faire une petite chasse en duo, alors à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui veuille se joindre à nous. Mais pour l'instant, nous n'avons pas eu de manifestation à ce sujet. Voilà, de toute façon, je suis en écoute là sur le 145-550, des fois que quelqu'un se présente. Et à partir de là, on fera équipe comme à l'accoutumée. Voilà, donc je pars rejoindre Robert et puis c'est parti pour cette nouvelle aventure. Bon, bah ça y est, je viens de récupérer Robert. Salut mon bon Robert. J'ai crevé à la moto. Heureusement même que tu viens me chercher. Ouais, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Je sais ce que c'est, je suis motard aussi, ça m'est arrivé de crever. Hein. J'ai un clou. Alors le pneu, il est pas vieux, c'est dommage. Hein. Ah, mince. Bon, et tu peux pas... Non, qu'il existe des mèches, tu mets une mèche. Tu mets une mèche et puis c'est vite réparé. Ouais, ouais. Bon, enfin, écoute, le principal, c'est de se retrouver. Bon, on va partir à la chasse de la radio. Elle est partie, elle est déjà à plus de 10 000. Non, je sais, elle est à 14 000. 14 000, bon. Alors, on la reçoit bien. Je vais montrer. Voilà. Ici, et le récepteur, là. Voilà. Donc, on la décode bien, elle est bien partie. Le vol se passe normalement. Alors, par contre, moi, j'ai fait un relevé. Il y a eu 10 euros. Alors, comme quoi, regarde, mes données, elles sont pas si mauvaises que ça. Tiens, vas-y, je te laisse tenir le papier. Si tu regardes bien, ça, c'est... voilà, dans le bon sens. Ça, c'est ma prévision. Ouais, tu vois, elle me donnait en dessous. Ça va. Et quand elle est partie, elle me donnait exactement au même endroit. Tu vois, comme quoi, ouais. Mes données que j'ai rentrées sur Ballon Prédiction, bah, elles sont pas si mal que ça. J'ai passé beaucoup de temps à faire ces relevés-là par rapport aux données que j'ai récupérées. Donc maintenant, la prévision que j'ai, elle correspond au vol normal. Après, le vol, il peut, comme tu dis, il peut fluctuer. Plus long ou plus court. Ouais, voilà, plus long, plus court. Si c'est comme cette nuit où le ballon. Oui, cette nuit, à mon avis, le ballon, il n'a pas éclaté, puis nous l'a ramené en mer. Elle a dû. Elle s'est arrêtée à, je sais plus, 26 000, je crois. À 5 h du matin, elle descendait à 1,5 mètres seconde. Ouais. C'est fou, hein. C'est fou. Ah ouais, j'ai vu que ça planait. Bon. Écoute, c'est pas grave, j'espère qu'on aura un peu plus de chance pour celle-ci. Allez, on prend la route et on y va. Ah, voilà, c'est parti. Aujourd'hui, il fait beau. Le ciel est bleu. Et la mer aussi, du reste. On voit pas trop, là, faut prendre un petit peu d'altitude. Et on va se rendre sur le nord du côté d'Aix-en-Provence. Voilà, on s'est arrêté sur le point haut. On est même très très bien dégagé, là. On est en altitude, hein, je ne sais pas combien on est là, mais on est bien haut. Alors, elle en est où? Elle vient d'éclater là, 28 000, mais elle en est à 26. Le signal, là, ça va. Bon, il n'y a plus qu'à être patient maintenant. Puis, Non, il ne faut pas être patient, il faut y aller. Bah, faut y aller, faut savoir où ça va. Non, elle avance, c'est vol long. Elle va jusqu'à caméra, regarde. De faire, on est obligé de reprendre la route parce que ça va vite, le vol s'allonge et la et si on la sonde a la tendance à planer elle aussi. Si on veut avoir le dernier point assez bas, on a intérêt à être presque dessous. Ouais, donc là on va en direction de Pertuis pour le coup. On va s'avancer et puis on fait les relevés au fur et à mesure. Hein. On n'a pas le choix, c'est cette fois-ci on s'est arrêté sur un autre point haut. Là, c'est toi qui décode maintenant. Ouais. Même si tu veux, sors le râteau. À 1000 mètres, ouais, on va sortir le râteau. Voilà, on va faire un petit tour d'horizon. Alors, elle devrait arriver de par là, normalement. On devrait être, en tout cas, à proximité de son point de chute. C'est pas évident, parce que c'est très vallonné. Donc... Bah, où ça passe la colline, où ça reste dans le creux, où ça repasse la colline de l'autre côté, on sait pas trop. Donc on s'est mis à mi-chemin, puis on va bien voir. Voilà. Une fois posée, on l'entend encore. Ouais, elle est posée là. Et on l'entend encore. Voilà, c'est là où on l'entend mieux. Là, c'est son dernier point. On va reprendre la route là et redescendre.
Voilà, juste à côté du canal. On va prendre la berge du canal. Pour moi, elle est au-dessus du canal. Tu prends sur la berge ? Ouais. Voilà le canal. Le pont qu'on a passé tout à l'heure. Non, le canal il tourne et voilà. Elle est par ici. Le canal il tourne légèrement sur la droite, donc on est sur la bonne direction. Hein. Il faut longer la berge et on en saura un peu plus. À mon avis, on doit en être à peu près à 500 mètres. Si elle est de l'autre côté du canal, elle est dans l'eau pour moi. Allez, ça va aller sur de ce côté. Ça va. On va essayer, on va aller voir. Alors pour l'instant, on doit être à 200 mètres. Pour l'instant, on est sur la bonne rive. Mais comme le canal il tourne, qu'on le reçoit bien par là. Alors c'est où elle est tombée dans cette espèce de petite forêt là sur la droite. Ou alors elle est sur la forêt à gauche, mais l'autre côté de la rive. On va voir qu'il y a un pont là-bas. Ah, écoute, on va regarder. Hein. Elle est un peu plus loin. Et effectivement, elle est sur la droite. Ouais. Ah ben alors la perche, elle va servir. Je vais zoomer. Ouais, le signal m'arrive fort par ici. Bon, ouais, ça y est, on l'a aperçu. On va le faire en direct. Le parachute est posé sur le sol. Alors voilà, de plus proche, le parachute et le fil, on le suit et on se retrouve dans une configuration sur laquelle je me suis retrouvé une fois. Alors là c'est fort, elle fonctionne encore. On va la pêcher et on va aller à la pêche. Là, voilà, elle flotte. Ouais, ben. Robert qui sort sa canne à pêche. Et vas-y Robert, pêche le poisson dans l'eau. Putain, tu sais qu'il y a une solution plus simple, hein, il suffit de tirer la ficelle. Hein. Ben oui. Allez, ça y est, il a attrapé le poisson. Voilà, bien vu. Hop. Là, voilà, un petit peu humide. Mais toujours opérationnel. Voilà la sonde nimoise. Mouillée. Ouais, mais enfin, elle est quand même bien étanche. Hein. Ouais, apparemment, ouais. Elle est restée dans l'eau combien de temps? Le temps qu'on arrive 10 bonnes minutes, quoi. 20 minutes. Ouais. Un quart d'heure, 20 minutes. Un quart d'heure, ouais. Alors, le parachute, quant à lui. Comment ça se passe? Pas l'impression qu'il se soit. Ah si, oui, si, non, si, il si. Bien déplié. Ouais, voilà. Il est un peu emmêlé, mais bon, il pas est de beaucoup. Un petit peu en friche, ouais, mais pas de beaucoup. Non, ce qui veut dire qu'au résultat, il y a plus de probabilité que le parachute s'ouvre avec les gros parachutes plutôt que les petits, comme avait fait Météo France. Ouais, ça s'est un petit peu emmêlé sur la fin, mais ça le fait à chaque fois. Mais oui, regarde, l'anneau anti-torche, c'est le gros. Quand c'est le petit parachute, c'est un tout petit anneau, souviens-toi. Bon. Content mon copilote? Parce que tu m'as bien aidé sur ce coup-là en voiture, hein. Tu m'as dit oui, il fallait que j'aille et tout à chaque fois. Ah ben tout le temps je t'aide. Bon. On est là pour travailler à deux, non? Ouais, tout à fait. C'est du travail d'équipe. Bien ben voilà, la RS Nimoise. Enfin à retrouver. Un peu chasse un peu particulière parce qu'elle était quand même dans l'eau. C'est la première que je pêche. À défaut de pouvoir aller la chercher à la nage. Non, un coup de chance, le parachute était sur le bord de la berge, donc voilà. À la nage, j'avais pas le maillot. Elle n'aurait pas pu passer en plein milieu. Hein. Bon, sans douter un petit peu, cela dit. Hein. Voilà, en tout cas, cette chasse a été instructive, comme d'habitude, et plutôt sympa. Donc celle-ci, ben, on va la dédier à un copain commun, Jean F6HCC. On fait un petit coucou d'ailleurs en passant, et qui se reconnaîtra et il saura pourquoi. Donc voilà Jean, celle-ci elle t'est dédiée, et puis je te l'envoie pour étude.
Voilà, et puis bah, rien de plus. Hein. Donc on en profite pour saluer également nos amis de chez Modem, là, concepteurs, parce que c'est du beau travail. Maintenant même, celle-ci, elle flotte. Et elle fonctionne encore même dans l'eau. Ouais. Hier, j'ai fait la réception, hier midi, celle qui est tombée du côté des Frioul. Je l'ai suivie, enfin, elle est tombée à l'eau, en mer. Elle est restée pendant une demi-heure. Elle a fonctionné pendant une demi-heure avant de, bah, avant de s'éteindre définitivement. Attends, si elle tombe au château d'If. Il faut prendre le bateau. Monte Cristo, il se retourne. Là, ça fait un peu loin. Et un coucou également en passant à nos amis de Météo France. Voilà, 73 à tous. Et puis, bah, à la prochaine chasse. À bientôt, salut. 73.